Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui un peu plus tôt que prévu pour faire le bilan de la dernière semaine du mois et donc le bilan du mois de décembre. Ça y est, on touche à la fin de l'année budgétaire puisqu'on n'est pas encore au 1er janvier. Je suis super contente de faire cette vidéo. J'espérais franchement avec un peu plus d'économie. Mais bon, les aléas de la vie font qu'on a dû tout vider et se reprendre en main, donc il y a quand même des économies, je suis plutôt contente. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 29 décembre, je le fais exprès un peu plus tôt parce que vendredi j'aimerais déposer ce qu'il y a à déposer en banque, comme ça je suis tranquille pour le week-end, et donc voilà. J'aimerais avant de commencer déjà tous vous remercier parce que ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés, ça me fait super plaisir, merci à vous, merci infiniment d'être là, de faire grandir la chaîne, ça me fait super plaisir et ça me fait plaisir de vous compter parmi nous. Donc voilà, bienvenue à vous tous et merci à tous ceux qui sont là depuis le début, ça me fait hyper plaisir. Et puis j'espère pour ceux qui fêtent Noël que vous avez passé un très bon réveillon en compagnie de votre famille et de vos amis, que vous êtes bien régalés, bien amusés et que les enfants ont été gâtés ou du moins qu'ils ont passé un très bon moment en famille. Voilà. Pour ma part, écoutez, moi je ne fête pas Noël, mais bon, voilà, c'est les vacances, on passe ça en famille, c'est toujours tout aussi agréable, donc voilà. Avant de commencer le bilan qui va être rapide au niveau du porte-monnaie, j'aimerais vous montrer des petites choses que j'ai reçues de chez AliExpress, puisque je reçois pas mal de petits mails pour me demander comment bien commencer le budget, enfin les enveloppes budgétaires. Alors je tiens à préciser, je ne suis pas une pro du budget, je fais mon budget en fonction de mes revenus, j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de me lancer, voilà, il y a des personnes qui sont des coachs, des pros pour ça, pour vous aider à mettre en place votre budget si vous n'y arrivez pas. Moi malheureusement j'ai pas envie de vous induire en erreur, je vous montre comment moi je fonctionne avec mon petit budget pour l'emploi, puisqu'il n'y a que mon budget que vous voyez ici, pas celui de monsieur. Et puis voilà, pareil pour les défis, on me demande est-ce que il faut impérativement faire des défis? Non, pas du tout, c'est pas du tout une obligation, c'est pas une obligation d'avoir les classeurs, mais vraiment pas. C'est vous, comment vous le sentez. Voilà. Moi, pour ma part, j'aime bien quand c'est joli, quand c'est carré, quand c'est organisé. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu investi dans les classeurs. Franchement, sur AliExpress, ils sont pas trop chers, contrairement à Amazon. La différence, c'est qu'on les reçoit beaucoup plus vite. Mais voilà, mais c'est pas une obligation. Moi, j'ai déjà suivi des personnes sur YouTube qui faisaient le système avec de simples enveloppes postales. Voilà, c'est comment vous sentez d'organisation. Et puis voilà. Après, il y en a qui sont quand même intéressés par des classeurs et tout ça. Du coup, je voulais vous montrer ce que moi j'ai reçu récemment. C'est mon nouveau classeur des épargnes. Je le trouvais trop mignon. Vous savez que j'avais envie de changer puisque l'ancien que j'avais avec les traces de feutre me sortait par les yeux. Du coup, voilà, je me suis commandé celui-ci sur AliExpress. J'en cherchais un justement avec une couverture un peu rigide. Ce que j'ai aimé, c'est les coins qui sont renforcés. Donc ça, c'est sympathique. J'ai beaucoup aimé le design. Voilà, il est comme ceci. Hop. À l'intérieur, c'est comme tous les classeurs qu'on retrouve. Hein, vous avez des supports pour les cartes, une grande poche ici, deux porte-stylos. Vous avez également ici des petits espaces en fait pour ranger des cartes, des papiers comme vous voulez quoi. Et pourquoi je vous présente celui-ci? Parce qu'en fait je l'ai payé 14,50 € sur AliExpress. Franchement sur Amazon il fait le double, mais vraiment. Et si du coup vous voulez commencer le système budgétaire avec donc du matériel, celui-ci est plutôt complet puisque vous avez avec des trackers pour marquer donc toutes vos dépenses comme ceci. Je sais pas combien il y en a, j'ai pas ouvert le paquet. Il vous envoie également avec, comme vous pouvez le voir, 12 enveloppes zippées. Donc ça, c'est cool. Ça va me permettre de changer mes enveloppes zip dans mon classeur des défis, abîmé par les marqueurs. Voilà. Et vous avez aussi des petites... comment dire, enfin, voilà. Vous avez ça, des... comment on appelle ça? Des autocollants. Donc vous avez les mois de l'année, si vous voulez vous en servir pour votre planeur, par exemple. Ça, c'est plus pour ceux qui font du scrap ou je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, vous avez comme ceci, pareil, c'est pour votre agenda, pour noter, je sais pas, vos sorties café, la santé, vos voyages, etc. Vous avez comme ceci des petites étiquettes autocollantes. Comme ceci, vous pouvez très bien, par exemple, voilà, prendre
une autocollante comme ceci, la coller sur une enveloppe zip en marquant, je sais pas moi, alimentation, beauté, sortie, enfin, selon vos catégories du quotidien. Ou sinon, vous avez ceci, mais il faut être, voilà, faut être à l'aise avec l'anglais. C'est les catégories en fait qu'on peut retrouver dans la plupart des classeurs, comment dire, budgétaires, mais c'est en anglais. Donc là, vous avez la santé, alors ça, je ne sais pas c'est quoi en français, vous avez sortie, dîner, loyer, vous avez quoi? Cadeaux, beauté ici, vous avez la nourriture là, les vêtements, voiture, animaux, etc. Donc c'est plutôt sympa aussi. Donc soit, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous prenez un post-it comme celui-ci que vous collez sur votre enveloppe zip. Ou sinon, ben voilà, vous venez décoller le petit autocollant que vous collez sur votre enveloppe zip. Donc lui, je trouve assez complet. Il a au prix de 14,50 € sur AliExpress, la livraison est gratuite. Donc voilà, si vous voulez absolument un matériel pour commencer, ben voilà, moi je trouve que pour débuter, on a tout. Les trackers pour tracer, les enveloppes et de quoi noter les catégories sur les enveloppes zip. Voilà pour ça, donc là ça va être mon classeur pour les épargnes. Et je me suis fait un petit kiff en prenant celui-ci. J'ai trouvé ce super petit classeur, je crois que c'est un format A3, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je vais m'en servir pour mettre mes cartes défi créées par Blush Budget. Franchement, je trouvais ça trop mime. Alors, c'est pas du tout obligé, hein, on est d'accord. Mais je me suis dit, avec le temps, si tout se passe bien, que j'arrive à les remplir, ça va me faire quand même une sacrée épaisseur entre la carte défi et l'argent. J'avais peur de déformer mon classeur des défis, donc. Voilà, je me suis fait un petit kiff, sachant que le classeur est vendu avec trois enveloppes comme ceci, A3. Et je me suis acheté donc en plus un lot de 20 enveloppes. L'ensemble, donc les 20 enveloppes et le classeur, j'en ai pour 7 euros sur AliExpress toujours. Voilà, et ce que j'ai aimé avec cette enveloppe-là, c'est que l'ouverture est sur le côté. Parce qu'au début, je n'allais pas trop le commander parce que j'aime pas l'ouverture sur le dessus. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est que pour ranger l'argent. Voilà, pour le ranger, c'est pas comme si j'allais m'en servir tous les jours dans les magasins. Et en fait, quand ça arrivait, j'étais agréablement surprise parce que c'est sur le côté et c'est un fini un peu mat. Voilà, donc je trouvais ça super sympa. Et donc tout l'ensemble, j'en ai pour 7,20 €. Donc j'ai déjà préparé toutes mes petites cartes défi. Mais en fait, la carte défi, elle ira dans le classeur A6. J'ai trop peur de l'oublier ici. Mais bon, vous verrez tout ça pour janvier. Voilà, je voulais juste vous présenter ça avant d'attaquer le bilan. Et du coup, ben, on va attaquer le bilan. Alors, alimentation. Comme je vous ai dit, je voulais faire un max d'économies. Je ne me suis même pas cassé la tête après avoir tourné la vidéo la semaine dernière. J'ai pris le billet de 50 euros que j'ai mis dans l'enveloppe beauté et j'avais pris tout ce qui restait. Et du coup, en fait, il me restait 15 euros. Il y a 10 euros que j'ai mis dans le My Little Défi. Il me reste là donc un billet de 5 euros. Donc voilà. L'enveloppe bébé, pareil, j'avais pris les 20 euros que j'avais mis dans l'enveloppe du défi du coloriage, comme ça j'étais tranquille. Et donc j'ai pris le billet de 5, je crois que j'avais 13 euros, je ne sais plus combien j'étais, mais j'ai pris tout ce qu'il y avait et ben, il me reste le billet de 5. Voilà. Les pièces en fait sont dans le porte-monnaie, mais j'en ai dépensé un peu partout. Mais j'arrive plus trop à me souvenir, non pas ici, c'est là en fait, mais j'ai de la monnaie, mais j'arrive plus à me souvenir, j'avais perdu le ticket de caisse, donc j'ai arrondi à 15, j'ai dit tant pis pour la monnaie, on n'est pas bon en termes de calcul. Hygiène et soins, les 10 euros sont partis dans le défi. Loisirs sortis, il ne me reste rien puisqu'on est parti à Action et j'ai acheté des bricoles pour les petites, tout ce qui est peinture, machin, loisirs créatifs. D'hiver, bah vous l'avez vu avec moi la semaine dernière, je l'avais mis dans le My Little Défi. Donc l'enveloppe, elle est vide. Pharmacie, bah on n'avait déjà plus rien depuis la deuxième semaine. Même pas la troisième semaine, j'avais dépensé. Et restaurant, pareil, c'était vide, on n'a rien sauvé ce mois-ci. Voilà, donc vous avez vu, c'est rapide au niveau du porte-monnaie. On a comme sauvé deux billets de 5, ça c'est cool. Et en termes de monnaie, donc il y a un monsieur qui m'a donné qu'il me restait aussi de la monnaie à moi. Hop, et on met de côté. Donc j'ai 2 euros, 20, 30, 40, 50, 60. 2 euros 60. Et c'est cool, j'ai deux pièces de 10 centimes. Je vais pouvoir finir mon petit rouleau de 10 centimes. Voilà, donc ça. C'est fait. Donc au niveau des défis, ben, j'ai tout fini, j'ai tout rempli. Donc on va directement venir tout vider puisque les tirages maintenant ça va être pour janvier. Je me fais de la place en même temps. Alors on va commencer par les défis au mois. Trop contente, je vous jure. Donc là on n'a rien parce que le challenge c'était un autre tirage du jeu de loi. Alors le coloriage ici, nous avons 20 euros.
Voilà. Ensuite, donc le coloriage de Céline, nous avons 25 euros. Hop. Lui, ben là, je ne l'ai pas fait, je vais faire sur janvier. Le défi de la beauté, alors je l'ai bouclé à 50 euros, mais là, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai noté au crayon de papier, mais il aurait dû être bouclé à 55, mais bon, je me suis dit, allez, 50 euros, c'est quand même pas mal. Donc lui, je l'ai bouclé à 50. Donc c'était le billet que j'avais dans l'enveloppe alimentation. Voilà. L'enveloppe en route pour Noël, je l'ai bouclée à 40 euros au lieu de 43 euros. Voilà, j'avais pas envie d'avoir trop de pièces. Hop, 40 euros. On va faire comme ça. Et, non, elle est ici. L'enveloppe du calendrier de l'Avent de chez Séverine, le monde de Sévra, bouclée à 75 euros. Voilà. Donc 2, 4, 5, 6, 7 et les 5 euros. Hop. Et hop, ça c'est cool. On va également venir vider le jeu de loi qui est à 56 euros. Et on va le reprendre à zéro pour le 1er janvier. Donc voilà, 55. Et les 1 euro dans l'enveloppe. Hop. Disney épargne, 23,50 euros. Donc 20 euros. Et 3,50 € ici. Et enfin, l'enveloppe défi des saisons, 130 euros. D'ailleurs, je suis en retard parce qu'il faut que je mette. Parce que la saison de l'hiver, elle a commencé, si je dis pas de bêtises, le 21 ou le 22 décembre. Du coup, là, il faut que je mette là 20 euros. Donc, je pense que je vais prendre 20 euros ici et comme ça, je suis à jour. Donc, hop, 130 euros. Tout mettre comme ça. Voilà. Et c'est bon pour ce classeur. Je vous présenterai les défis du mois de janvier avec le remplissage parce que j'ai pas tout imprimé, je suis en manque d'encre. Donc voilà. Alors, ici, le My Little Défi. Donc j'ai mis les derniers 10 euros. Nous sommes à 168 euros. Donc là, nous avons 160. Donc 120. 140, 150, 160. Hop. Et donc les 8 euros en pièces. Vous allez voir, je vais aussi un petit peu tricher au niveau des pièces. Je vais m'avancer sur quelques défis. Le Monopoly, d'ailleurs, que je vais mettre, que je vais effacer là, puisqu'on va, on va repartir du point de départ pour le 1er janvier. Mais lui, du coup, bah, j'ai pris les 100 euros pour le permis de conduire, comme je vous ai dit. Il me reste donc les 28 euros. Hop. C'est pas mal, on a quand même un petit quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai même pas pris 100, j'ai pris 150 euros. Et j'ai pris, je vous montrerai tout à l'heure au niveau des épargnes, où est-ce que j'ai pris. Et pour conclure avec ce classeur-là, on va venir prendre le challenge des jours fériés, où on est à 40 euros, puisque j'ai mis 20 euros. Pour le jour de Noël, pardon, je vais y arriver. Pour le jour de Noël, voilà. Et en fait, c'est les 20 euros qui me restaient du budget virtuel alimentation. Voilà. Mais dans les 20 euros, il y a. Dans les 40 euros, pardon, il y a 20 euros en billets de 5. Hop, et 20 euros comme ça. Voilà. On met de côté et on va venir un peu compter tout ça. Alors, nous avons 50, 100, 150, 200. 250. 250. On va compter les dépenses pour. 250. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alors. 250 plus 180. Non, zut. 250 plus 180. Plus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 et 170 euros. C'est juste top ici. 170 euros.
Donc, plus 170, nous avons 600 euros à placer. Les billets de 5, c'est à part. Mais du coup, moi qui étais à 0, on se retrouve à combien? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Trop cool, mais vraiment. 50 euros en billets de 5, c'est génial. Ben voilà, donc on a 600 euros à placer, enfin 600 euros. Vous savez qu'il y a certaines épargnes, vous savez déjà où est-ce qu'elles vont aller. Donc, je vais me faire un petit peu de place et je reviens de suite. Juste, j'ai oublié aussi de compter les petites pièces du coup qu'on avait retirées des défis. Il y a 17 euros en pièces. Donc, ce qu'on va faire avant d'attaquer les épargnes, on va ranger nos petits billets de 5 qui se trouvent juste là. Alors après, je vais tout effacer. Et je mettrai en fait 2022. Donc là, là, je vais mettre avec vous. Enfin, je vais mettre avec vous. Je vais mettre décembre. Donc nous allons à mettre ici 50 euros. Oula, c'est cracra. Et on est donc à 50 euros. Voilà. Alors, je vais m'amuser à faire mes petites croix. 10, 15. Hop, comme ça. Tac. 50 euros, c'est génial. Puisque j'ai mon petit classeur des défis, je vais vous montrer ma petite triche. Alors, comme il y a pas mal de petites pièces, je vais m'avancer sur le 2023. Je vais mettre 3 euros. Comme ça, je n'aurai plus qu'à mettre 20 euros. Tac tac touc pendant le mois. Donc je vais mettre janvier, même si voilà, c'est sur le bilan de décembre, mais je vais mettre en date de janvier. Hop. Plus 3 euros. Et on a donc 3 euros ici. Hop là. C'est pas facile avec les anneaux. Alors, une pièce de 2, une pièce de 1, comme ça c'est fait. Voilà, et je vais également tricher avec le My Little Défi où je vais mettre tout le mois de janvier. Comme ça, c'est fait. Donc, je vais tout effacer et on va repartir donc à 0 janvier plus 4 euros. Et il y a donc 4 euros. Voilà, là je vais garder les pièces. On va faire également ensemble le tirage du Monopoly pour dimanche, puisque dimanche nous sommes 1er janvier. Et cette fois-ci, on va attaquer celui des princesses pour le Disney épargne. Voilà. Tac! Maintenant, on va passer aux épargnes. La meilleure partie, n'est-ce pas? Alors, avant tout, je vais directement aller. Alors, je voulais vous montrer donc. J'ai pris mes 30 euros à moi, plus les 20 euros qu'il y avait dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe Saint-Valentin. Bon, là, je n'avais pas au piocher, donc j'ai pioché dans Saint-Valentin pour compléter ce qui me manquait au niveau du permis de conduire. Donc, comme ça, c'est fait. Et j'ai pris également, en termes des épargnes, ça a bougé également. J'ai pris les 50 euros que j'avais là pour refaire mon passeport, même si ce n'est pas sûr que je parte cet été en Algérie, mais je vous le dirai ça au fur et à mesure du temps, si ça se confirme ou pas. Dans le doute, j'ai refait mon passeport, comme ça, je suis tranquille. Et j'ai pris le. J'ai pris les 20 euros qu'il y avait dans l'enveloppe shopping parce que j'ai acheté des surpyjamas aux petites. Parce que là, avec, moi je vous dis, la facture d'énergie me fait flipper comme jamais. Donc pour réduire un peu le chauffage d'appoint dans leur chambre, j'ai pris un surpyjama. Voilà. Donc maintenant, on va mettre les 80 euros qui manquaient, comme je vous ai dit, que j'ai pris aux filles. Donc là, je suis trop contente. Je leur remets leurs petits sucios. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Voilà. Donc décembre plus 80 euros. On est donc à 120 euros. Voilà. Ça, c'est good. Je suis trop contente. Je pense que ça aussi, vendredi, j'irai faire le dépôt dans leur livret, comme ça. Je sais pas, je vais voir si je mets dans leur livret ou pas. Pareil pour sa sœur.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Décembre plus 80 euros. On est donc aussi là à 120 euros. Génial. Hop. Et hop. Je crois que nous avons été coupés. Donc j'ai pris les 80 euros plus les 40 qu'il y avait dans l'enveloppe. On est donc à 120 euros. Voilà. Attendez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 120 euros pour la deuxième poupette. Voilà. Ensuite, comme alors il y a 130 euros, vous savez, ça va aller dans l'enveloppe facture. Donc, 100, on va faire comme ça. 130 euros. Ouais, 130 euros, on est good. Avec les 70 euros qu'il y avait déjà, ça nous fait donc du 200 euros. Hop. Voilà. Alors, décembre plus 130 euros, on est donc à 200 euros. Hop. Alors, donc là pour faire 20 euros, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc tout ça, ça va aller sur le compte. Ensuite, j'avais prévu, vous savez qu'il y a également 20 euros qui vont aller dans l'épargne de Disney, puisqu'il y a le Disney épargne, je vous l'ai dit, c'est pour Disney. Donc voilà. Voilà. Donc on va aller loin avec ça. Décembre plus 20 euros. On est donc à 20 euros. Que ça avance pas super vite, on verra. Est-ce que je vais reprendre les 10 euros par mois ou pas? Je sais pas, je vais voir. Parce que là, ça arrive 20 euros sur 4 mois. Et encore ce que j'avais pioché. Bref, on verra. Alors, je fais juste comme ça, mais je colorie. Enfin, je ferai mieux hors caméra pour pas vous embêter plus que ça. Les 50 euros que vous voyez là, c'est pour l'enveloppe beauté, puisque c'est ce que j'avais sauvé grâce au défi de la beauté. Donc voilà. 10, 20, 30, 40 et 50. Alors, décembre, plus 50 euros. Et on est donc à 50. Je suis désolée, il y a mon téléphone qui n'arrête pas de sauter. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça a sauté. En tout cas, je disais que je viens de mettre 50 euros de l'enveloppe beauté du défi de la beauté dans l'enveloppe beauté. Donc, voilà. Il n'arrête pas de sauter mon téléphone. Je suis désolée. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai plus beaucoup de mémoire. On verra. Du coup... Donc moi je suis restée sur beauté. Alors je vais, à côté j'ai mon petit papier en fait pour savoir où je vais. J'avais décidé donc de mettre encore 20 euros pour la fête des mères et pour la fête des pères. Ah, regardez, ça fait tout cracra. C'était prévisible. Bon bref, c'est pas grave, je mettrai au propre tout ça après. Bah, attendez, parce que je suis dans l'enveloppe bijoux, j'avais prévu de mettre 30 euros. Voilà, donc plus 30 euros et on est donc à 50 euros ici. Je vise 200 euros pour au moins dans 3 mois pour faire un dégagement partiel. Donc comme ça c'est fait. Hop. Donc ouais, 50 euros, on est bon. Je viens de déchirer mon enveloppe. Alors, voilà. Du coup, ben, je viens de rajouter 30 euros. Donc,
comme ça, et à moitié. Hop. Ensuite, vacances, j'ai décidé de mettre 100 euros. Voilà, même si c'est pas sûr qu'on parte, je préfère remplir au cas où. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Au moins, on a des billets de 10. Hein. En veux-tu, en voilà. Pour janvier, s'il y a un couac. En termes de billets, j'ai de quoi faire ici. Donc, toujours décembre plus 100 euros. On est donc à 100. Voilà. Hop, je vais prendre un gros dessus-tout. Fête des mères. Je pense que je vais colorier mes motifs après pour pas que ça fasse trop cracra parce que sinon ça va m'embêter. Donc plus 10 euros. Non, j'avais dit que j'allais mettre 20 euros, je crois. Je sais même plus. Non, moi je crois que je mets du 10 euros à chaque fois. Donc 10 euros. Donc nous sommes à 30 euros. C'est encore sauté. Je pense que je m'en rends compte quand ça saute, mais je suis même pas sûre du bon timing. Voilà. Pareil pour la fête des pères. Décembre plus 10 euros. On est donc à 30 euros ici aussi. Voilà. Si ça veut bien. Hop. J'ai prévu de mettre dans mon enveloppe Ramadan 50 euros, parce que ça arrive quand même bientôt. Alors, 10, 20, 30, 40, 50. Comme ça, au moins, on fait un grand bond. Voilà. Décembre. Plus 50 euros. 50 euros ici. Voilà, je vais juste. Il me reste donc 2, 4, non, n'importe quoi. 1, 10, 20, 30, 40. 40, 40, 40. Pourquoi donc? Oui, donc il y a 20 euros que je vais mettre ici parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai un anniversaire le 2 janvier. Donc voilà, je vais compléter l'anniversaire du 2 janvier. Même si j'ai un peu de marge parce que voilà, l'anniversaire ne sera pas fêté le 2. Mais au moins, je sais qu'ils sont là. Je suis tranquille. Voilà. Plus 20 euros. On a donc 20 euros ici. C'est cracra. Et les 20 euros qui me restent, c'est donc les 20 euros que je vais mettre dans l'enveloppe du défi des saisons. Pour être à jour. Puisque je n'ai rien mis cette semaine et la semaine dernière, parce que la saison de l'hiver a commencé, donc la semaine dernière en fait. Donc hop, je rattrape ma petite semaine de retard. Et on repart pour une nouvelle saison. Je crois qu'on a encore été coupé, décidément. Et hop, voilà pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le tracker Disney Épargne et celui du jeu de loi. Pour faire nos tirages pour le 1er janvier, on se retrouve tout de suite après. Allez, me revoilà. Ben alors, comme vous pouvez le voir, ça efface très mal. D'ailleurs, vous excuserez un peu mes doigts, c'est taché, je suis désolée. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je la refasse. Elle commence à s'abîmer cette enveloppe. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est en train de commence à s'ouvrir ici. Donc, de toute façon, il faut que je la refasse. Allez, on va tirer donc pour le 1er janvier le jeu de loi. Donc, j'ai effacé le plateau. On va repartir donc de la case départ. C'est parti. Et on fait un 6. Alors. Et le 6, ça va à la case numéro 6. Loi qui chante. Et c'est donc 5 euros. Alors. 2, 4 et 5. Comme ça, on attaque bien janvier, les amis. Donc, 1er janvier. Plus 5 euros. Et nous avons donc 5 euros ici.
Voilà. Et on va tirer les princesses. Je pense que je vais me le refaire parce que j'ai envie d'imprimer pour que tout soit à la même taille. Là, c'est complètement n'importe quoi. Alors, celui-ci, il vient de chez Sevralon. Hein. Je l'ai déjà présenté quand je l'avais fait. Mais ouais, c'est le Séverine du monde de Sevra qui a créé le plateau de jeu, le défi des princesses. Voilà, donc on va tirer notre dé. 4. Alors, départ, il est juste là. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est Mouchou. J'aime trop Mylène en plus. Mouchou, Mouchou. Où te caches-tu, Mouchou, Mouchou? Mouchou, Mouchou. Mouchou, il est là. Donc, c'est 1,50€. Hop. Donc, 1er janvier. Plus 1,50€. On est donc à 1,50€ ici. Voilà. Oups. 1,50€. Donc le Monopoly. 4 aussi. Alors 1, 2, 3 et 4. Il nous faut 3 euros ici. Donc total 3 euros. Au 1er janvier. Voilà. Comme ça, ben voilà, on a commencé nos petits défis du mois de janvier. J'ai un petit peu triché pour le 2023 et celui du Maitel défi. Mais bon, avec toutes les pièces que j'ai, je me suis dit, on va attaquer un petit peu tout ça. Et il nous en reste encore pour pouvoir faire le défi d'or. Et c'est good pour nous. Alors, il nous reste donc 5 euros, 2, 4, 6, 5,60 €. Sachant que j'ai réussi... dans la semaine à finir un rouleau de 50 centimes, ouais, une pièce de 1 centime. Et donc j'ai pu me faire donc un autre rouleau de 50 centimes, mais comme c'était déjà coché, j'ai barré 50 centimes 1 euro et j'ai coché 1,50 €. Voilà, il est juste ici. Voilà, décidément. Voilà, je me suis fait un autre rouleau de 50 centimes. Donc en pièce de 2. Donc alors attendez, déjà on a dit que nous avons 2, 4, 5 euros. Donc 2, 4, 6. Ouais. 5,60 € qui est coché. Ha ha ha, il est coché. Alors attendez, on va faire ça ensemble, regardez. 5,60 €, c'est ma petite monnaie, plus 1,10 €. Alors 5,60 € plus 1,10 € plus 1,50 €. Plus 2,50 €. Nous avons encore été coupés. Je suis vraiment désolée. Donc j'avais comptabilisé jusqu'à 2,50 €. Plus donc 4,30 €. Plus 5,60 €. Et je vais prendre aussi celle-ci, 5,90 €. Ça nous fait 26,50 €. Et comme ça, on va essayer de remonter tranquillement tout ça. Donc moins 9,20 €. Voilà. Moins 9,10 €. Et donc, il nous reste 8,20 € à cocher. Juste là. Hop. Et j'effacerai bien sûr tout ça hors caméra. Voilà. Du coup, j'ai dit qu'on ajoutait aujourd'hui 5,60 € pour cette dernière semaine. Et je crois qu'on a atteint... Bah ouais, on les atteint. Les 100 €. Je suis trop contente. Je pensais pas qu'on atteindrait les 100 € pour ce défi-là avant la fin de l'année. Mais... mais c'est le cas, donc c'est plutôt cool. Donc, on est à 98,60 € plus 5,60 €. 104,20 €. Franchement, c'est génial. J'ai toujours pas été à la banque, par contre, hein, déposer les... non, 104. Les rouleaux. Je sais pas quand est-ce que je vais y aller, mais il faut que j'y aille. Ensuite, j'ai changé, entre guillemets... je vais changer plutôt ma façon de faire. Comme vous pouvez le voir, les pièces de 2 et de 1 €, il n'y en a pas des masses. Donc là, on en a déjà 2. On a une pièce de 1 €. Pareil pour les 50 centimes. J'ai toujours pas fini un rouleau. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'avec les grosses pièces, donc 2 €, 1 € et 50 centimes, dès que je vais atteindre 10 €, je prendrai les pièces, je mettrai dans mon porte-monnaie et je me ferai...
Je me ferai la monnaie dans mon porte-monnaie en fait. Je sais pas si je suis claire. Et je me contenterai que des pièces de 10, 20 centimes, enfin toutes les autres pièces, pour les rouleaux parce que autant ça, on en a pas mal, autant les autres, enfin pour ma part. Voilà quoi. Alors les pièces de 10 centimes, on en a donc 4. Donc ce que je vais faire, c'est 1, 2, et je vais faire une double croix ici, 4. Et donc on a encore plus un rouleau. Je vais faire ça comme ça. Et 20 centimes, on en a une. D'ailleurs, je n'ai pas effacé. Ouais. Donc ça nous fait que j'ai une deuxième pièce. Voilà. Ça c'est cool. Ça c'est fait. Voilà. Eh bien écoutez les amis, pour moi, ça y est, c'est fini. Mon année budgétaire est bouclée. Mes petites épargnes sont remplies. Donc on n'a pas fait un grand bond, mais on a fait un bond. C'est ce qui compte. Donc hâte d'attaquer cette nouvelle année 2023, surtout pour mes petits défis, je ne vous cache pas. J'espère qu'en tout cas, vous, le mois de décembre s'est bien passé, que vous avez fait de belles économies, que vous êtes prêts pour 2023. Et je vous souhaite à tous un très très bon réveillon de fin d'année. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023, que ce soit le côté financier, santé, affectif, tout ce que vous voulez. J'espère vraiment que ça va se réaliser, que voilà, je vous souhaite en tout cas une année pleine de bonheur, c'est l'essentiel. Avec l'inflation, c'est sûr que l'argent, voilà, c'est pas négligeable, mais bon, la santé avant tout, hein, c'est le plus important parce que si on n'a pas la santé, ça ne sert à rien. Et puis voilà, moi en tout cas, je suis très contente de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre mois de décembre, votre année 2022. Ça me fera un plaisir de vous lire. Et puis je vous fais plein de gros bisous et on se voit pour le mois de janvier pour le remplissage. À l'année prochaine. Ciao, ciao!